L'éducation à l'environnement, ça doit être plus qu'une nécessité, ça devrait être une obligation. Parce que si on ne fait pas attention à la nature dès tout petit, qu'est-ce qu'on laissera comme planète plus tard? Donc là, on montre bien à quel point la sensibilisation est présente. L'éducation à l'environnement doit être un axe majeur des programmes. Et concrètement, ça fait plaisir à tout le monde. Et ça change les comportements, ça change aussi la manière dont nous produisons, nous consommons. Et ça permet surtout de tirer la sonnette d'alarme parce qu'ils l'ont très bien compris. Pour nous, c'était important que de la 6e à la 3e, tous les élèves puissent prendre contact avec le développement durable, être sensibilisé à ces thèmes-là, parce que, on l'a dit ce matin à plusieurs reprises, notre objectif, c'est qu'ils deviennent plus tard véritablement des citoyens informés, solidaires et capables de prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes, pour leur environnement. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables parce qu'ils savent, là ils ont monté des petits projets par exemple pour montrer à quel point on peut créer des économies d'énergie avec des éoliennes, avec le biogaz, etc. Et ils sont déjà en train de se projeter pour l'avenir. C'est-à-dire ils disent moi je veux travailler dans les économies d'énergie, moi je veux travailler dans l'environnement, moi je veux aussi faire en sorte que demain il y ait plus d'arbres pour que tout le monde respire mieux. Donc ils sont véritablement sensibilisés et c'est eux ce que moi j'appelle les ambassadeurs de la planète. Les élèves vraiment ont joué le jeu, ils sont impliqués. Et puis je pense qu'ils se sentent concernés par ces thèmes, les enjeux, l'avenir de la planète, les solidarités. Vraiment, quand on les sollicite et qu'on leur demande de faire des recherches et qu'on travaille dans le concret, ils font des choses vraiment intéressantes et ils s'impliquent et ils aiment ce qu'ils font. Tous les élèves de la 6e à la 3e, dans la semaine qui vient, vont être concernés par une ou plusieurs actions en lien avec le développement durable.